Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Custom Lock pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous le firmware 4.0 et plus. Alors, Custom Lock c'est quoi? C'est une application qui a été développée par Infection FX dans le cadre du Twig Delic Challenge. Et en fait, c'est une application qui sort par jour et dernièrement c'était Custom Lock. Cette application là c'est quoi? Elle va vous permettre en fait simplement de customiser l'heure et puis la date qu'il y a sur votre lock screen. Donc vous faites installer, confirmer, c'est gratuit du repo de Big Boss, puis c'est également disponible sur la source de jailbreakdevice.com 2. Alors, une fois que c'est installé, vous n'allez pas avoir d'icône sur le springboard, il faut aller simplement dans les réglages de l'application, puis on va aller chercher le custom lock. Alors vous descendez un petit peu et puis vous avez normalement custom lock ici. Vous cochez Enable, puis vous mettez le texte que vous voulez mettre à la place. Donc admettons que moi je vais mettre Lolo du 451. Voilà, comme ça. Puis on va choisir une couleur, admettons qu'on va le mettre en vert. Alors après, à la place de la date, donc vous mettez Enable, puis Custom Text, je vais mettre iPhone 4, pardon. Je suis avec mon iPhone 4 là. iPhone 4. Puis après, on fait donc iPhone 4. Puis Color ici, on va le mettre en noir, admettons. Donc vous revenez, puis vous quittez l'application. Et maintenant, si je vais sur le lock screen de mon appareil, ben on peut voir qu'il y a Lolo du 451. Puis mince, j'ai mis en noir, ce qui fait qu'on voit pas le custom date. Je vais juste changer le. Changer ça, je vais le mettre en rouge. Voilà. Puis si je m'en vais sur le lock screen, voilà, bah, simplement on peut voir que j'ai écrit Lolo du 451. Puis la date, à la place de la date, il y a écrit iPhone 4 comparé à un iPod Touch normal où vous avez l'heure comme ça. Fait que j'avais déjà modifié, j'avais mis iPod 4G. Et voilà. Donc c'était ça pour l'application Custom Lock pour votre appareil jailbreaké sur le firmware 4.0 et plus. N'oubliez pas de cliquer sur s'inscrire sur le lien qu'il y a depuis le début de la vidéo, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad et leur jailbreak. Donc c'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.